sarajevska režija, odavde se realizuje živi program televizije N1 za Sarajevo, za Bosnu I Hercegovinu. Ovo je režija Hrvatskog N1 centra. Dobro jutro, nalazimo se u beogradskoj režiji N1 Srbija. 5, 4, 3, 2, 1. Tous les matins à 8h, la télé N1 donne rendez-vous à ses studios des trois principales villes de l'ex-Yougoslavie pour que chacun livre les informations du jour dans les pays voisins. Idemo do Sarajeva i do Zagreba, do Ivane Erić i Tihomira Ladišića. Dobro jutro, kolege. Dobro jutro. Dobro jutro. Tri studija, ali ne, nama nije ideja bila da obnovimo Jugoslaviju. Nama je ideja bila da povežemo ljude koji mogu da gledaju vesti i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, da dobiju prave informacije s terena. Dakle, nikada nismo želeli da obnovimo Jugoslaviju, što bi neki političari u regionu vrlo rado rekli. Et ce jour-là, comme beaucoup d'autres, le président serbe Aleksandar Vučić attaque la journaliste de N1. Nama je zapravo ideja bila da imamo pravo profesionalno novinarstvo koje se neće oslanjati na nacionalne predrasude. Comme si l'idée même de rassembler ces peuples qui ont vécu ensemble de 1918 aux années 90 était encore un tabou. Belgrade n'est plus que la capitale de la Serbie. Entre le Danube et la Save, c'est la pollution qui est devenue le principal sujet de préoccupation de ses habitants. Et il y a toujours ici ce sentiment diffus d'avoir beaucoup perdu depuis l'éclatement de la Yougoslavie et les délires nationalistes des dirigeants de l'époque qui ont entraîné les guerres. La paix est revenue, mais elle est plus que fragile. La question du Kosovo, par exemple, n'est toujours pas réglée et elle bloque l'adhésion de la Serbie à l'Union européenne. Une situation que regrette Radomir Diklic. Journaliste, il dirige l'agence de presse indépendante Beta. Mais dans les années 2000, il fut aussi ambassadeur de Serbie en France et à Bruxelles. Aujourd'hui encore, quand il passe devant le Parlement serbe, il rappelle qu'il s'agissait du Parlement fédéral yougoslave. Je ne suis pas yougo-nostalgique. Je suis yougoslave parce que ma mère est macédonienne, mon père est serbe de Croatie. Alors qu'est-ce que je peux être? Et il aime rappeler qu'ici on dispose d'un atout unique pour reconstruire une union. On ne doit pas, par exemple, comme les Français et les Allemands, apprendre la langue des uns et des autres. Et tout le monde se comprend s'il a une volonté. Une volonté de personne dans le plan personnel et une volonté politique de bâtir les ponts entre les républiques qui sont aujourd'hui les États indépendants. Dans le cas de l'Allemagne et de la France, il y avait quand même une forte volonté politique. Et ça a payé, si je peux dire. Il y a 60 ans, pendant que De Gaulle et Adenauer construisaient cette relation spéciale avec une bonne dose de courage, la Yougoslavie afficher son union de 6 républiques, Slovénie, Serbie, Croatie, Bosnie, Monténégro et Macédoine. Dirigé par le maréchal Tito, le pays s'était affranchi de la tutelle de Moscou, fier de son modèle d'autogestion socialiste. Ce n'était pas une démocratie, mais ce n'était pas non plus la dictature soviétique. Jedan čovjek, mladi snažan, predaće palicu drugom. I krenuće tako palica iz ruke u ruku. Potrčaće sa njom i za njom mnogi dečaci, mnoge bitke devojke. Chaque année au printemps, pour la journée de la jeunesse, des jeunes parcouraient le pays en tenant un relais appelé Stafeta, pour symboliser l'union des républiques et la liberté de passer de l'une à l'autre. Aujourd'hui, à la frontière entre la Serbie et la Croatie, il faut parfois attendre jusqu'à 8 heures pour entrer dans l'Union européenne et surtout dans l'espace Schengen. Car depuis le 1er janvier dernier, la Croatie a un peu plus fermé sa frontière avec la Serbie. Članice šengenskog prostora ukazale su povjerenje hrvatskoj graničnoj policiji da čuvamo vanjske granice Schengena, što je svakako velika čast, ali i obveza. Znači, sada hrvatska policija štiti prostor u kojem živi preko 400 milijuna ljudi.
Après les fêtes, pour tous ces ex-Yougoslaves, c'est le retour vers l'Europe de l'Ouest où ils ont fait leur vie. Je vis en France, j'habite à Paris. C'est tout à fait un autre monde parce que il y aura beaucoup de contrôle quand même. Il y aura beaucoup de contrôle, beaucoup de contrôle de la part des Croates. Parce qu'ils vont montrer aussi dans l'Union Européenne que ça sera plus strict, un petit peu plus strict quand même. Voilà. Bon voyage. Merci beaucoup, messieurs, dames. Voilà, vam do Prijatno večer. Pa ne znam, ne volim što je tako. Više bih volila da je kao ranije, da nema granice. Želela bih da Srbija uđe u Evropu. Le 6 janvier est un jour férié en Croatie. On célèbre l'épiphanie dans ce pays à majorité catholique. Les rues de Zagreb sont désertes. Quelques personnes assistent à la messe dans une église provisoire. La cathédrale étant encore en travaux depuis le tremblement de terre de mars 2020. Dans la vieille ville, à l'arrivée du funiculaire, un chanteur joue les colombes au son de ritournelles en croate ou en anglais qui célèbrent la paix entre les hommes. À sa façon, il essaye de réveiller les consciences. Ja mislim da se ljudi moraju probuditi iz neke pasivnosti i ono kao baš me briga, ja živim svoj neki mali život u balonu, ali mislim da je potrebna ta jedna društvena angažiranost. Znači sve velike pozitivne društvene promjene su zapravo proizašle iz neke aktivnosti, a ne iz pasivnosti. La Croatie vient d'adopter l'euro et Zagreb semble s'être enfermé dans son statut de capitale européenne qui tourne le dos à son passé yougoslave et à ses voisins. Et pourtant, il y a encore des Serbes qui vivent en Croatie. Ils ne sont plus que 3,2% selon le dernier recensement contre plus de 12% avant-guerre. Eugen Jakovčić, croate, est le porte-parole du parti serbe. Pour lui, il est temps que la Croatie tire un trait sur son passé nationaliste. Nous nous trouvons sur une des quelques locations zagrebačkih et généralement des hrvatskih gradova. Koje još uvijek u svojim nazivima imaju imena po ustaškim dužnosnicima. Les Ustašis, les Croates nazis glorifiés au moment de l'éclatement de la Yougoslavie. Mais aujourd'hui, le vent a tourné et la municipalité de gauche veut changer les noms. Kad bi ljudima se objasnilo o čemu se konkretno radi, kakvi su svi zločini počinjeni, pa imamo nove generacije koje, na primjer, uopće ne bi na to vjerovatno ni reagirale s nekim pretjeranim uzbuđenjem, kao što bi možda bila drama u Njemačkoj da se pojavi jedna takva ulica po nekom nacističkom dužnosniku. Tako da je to miks svega. Le 6 janvier, c'est la veille de Noël pour les orthodoxes, la religion majoritaire chez les Serbes. Et tous les ans, cette fête est l'occasion d'une belle cérémonie d'unité et d'amitié dans ce pays devenu une démocratie européenne. Evo, preraslo je u jedan od najvažnijih političkih događaja u Hrvatskoj početkom godine. Zato svima čestitam novu godinu i Hristos se rodio. I primi ovu žrtvu nade, misli svoj žrtveni. Toute la classe politique est là, ainsi que le ministre des Affaires étrangères de Serbie. Le parti des Serbes de Croatie est dans la coalition au pouvoir et son dirigeant se bat depuis des années pour que le pays conserve sa richesse multiethnique. Hrvatska i Srbija su na ovom dijelu Europe ono što su Francuska i Njemačka u središtu Europe. I iz toga razloga mi često gledamo u tom smjeru i u smjeru toga primjera. Quant au premier ministre, il appartient déjà à cette génération qui a voyagé et étudié à travers l'Europe. Ja sam imao sretnu okolnost da sam u svom karijernom razvojnom putu proveo 5 godina u Parizu, pa sam malo proučavao vrijeme od 45. do 62. kad su Francuska i Njemačka potpisali Elizejski ugovor i uspostavili jedan novi okvir suradnje. Mi imamo vlastitu političku odgovornost da idemo prema naprijed, ali da ne ignoriramo neke teške teme, činjenice, istine s kojima se treba suočiti i rješavati do kraja pitanja poput nestalih ili procesiranja ratnih zločina. Jer bez da se to riješi, uvijek će ostati neka rezerva, neka zadrška. Mais derrière ces propos très diplomatiques, il y a la réalité d'un pays qui avait beaucoup fait pour la réconciliation avant d'entrer dans l'Union européenne et qui aujourd'hui s'en préoccupe moins. Od kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju, mi zapravo imamo proces nazadovanja, što je vrlo zanimljivo. Netko je u Hrvatskoj odlučio, ok, mi smo sad ušli u taj klub,
ok, nema više zajebancije, mi ćemo se sad ponašati kako mi hoćemo. Ne računajte na nas da ćemo vam mi sada, kao što smo vam obećali u onom predpristupnom procesu, voditi pomirenje i biti važan igrač na području bivše Jugoslavije. À l'entrée en Bosnie-Herzégovine, c'est la Republika Srpska, l'entité serbe de ce pays. I sve što su mlade oči usput videle, poći će zajedno sa pozdravima sadržanim u tom jednostavnom simbolu u štafetnoj palici koja je krenula svim pravcima domovine, nošena kao baklja ljubavi. Au bord de la route, dans une église orthodoxe récemment construite, c'est la messe de Noël. Spontanément, le père Sacha fait une allusion à tous les migrants de passage ici qui tentent d'entrer en Croatie. To se odnosi i na ovu braću koja prolaze ovdje našim putem i idu iz dalekih zemalja, uglavnom muslimanskih, da traže sreću, mir i radost za svoje porodice tamo u Evropi. Neka Gospod Bog svima pomogne. Božić je svakako pravo vrijeme za pomirenje. Et la messe se termine de façon spectaculaire. Les enfants et les grands sont bombardés de sucreries. Mais juste avant de partir, modeste symbole, le père Sacha a tenu à nous lire le message de félicitations envoyé par la mosquée voisine. Mir Boži Hristo se rodi, Efendija Safet. Zbogom. 40 km plus loin, c'est une autre ambiance. Le lendemain matin, le brouillard est tombé sur la ville de Prijedor, au sens propre comme au figuré, depuis qu'ici, en 1992, s'est déroulé un des plus violents nettoyages ethniques, 3000 morts et 50 000 déplacés. Les drapeaux serbes pavoisent les rues désertes. Edin, musulman, est pourtant revenu y vivre et il s'est engagé pour que la mémoire des crimes ne soit pas effacée. Ja se iskreno bojim uvijek više sistema, ja se bojim policije. Ja se bojim da će neko dati nalog policiji da mene zostavlja, a ne bojim se običnih ljudi. Svaka, možda šesta, sedma kuća neko živi, ono. Kuće su obnovljena, nema ljudi. Le village de sa jeunesse est moribond. La maison familiale n'est pas complètement reconstruite et il n'est pas certain d'y revivre un jour, tant cela lui rappelle la perte de ses proches. Autour de ce qui fut son école primaire, reposent encore aujourd'hui des corps sous la terre. Ovdje uglavnom su bili većinski ono, muslimansko bošnjačko stanovništvo i tu smo živjeli ono, sve do 92. do maja, odnosno do jula. U mjesecu jula 1992. godine su organizovali znači, čišćenje ovih sela, takozvano čišćenje. Baš ovdje kod ove škole su ih ukrcavali u autobuse i razvozili su ih po logorima. Neki su u Kereterm, neki su u Omarsku. Moja, nažalost, porodica, znači njih sedmorica nisu preživjeli rat. Kerateerm était une usine dans laquelle son père a été tué et son frère a disparu sans que l'on retrouve son corps. 409 personnes sont mortes ici en 3 mois. Lui-même était prisonnier dans un autre camp. Mais pour rappeler ce qui s'est passé ici, il n'y a qu'une modeste plaque. Ove logoraše koje je svijet po prvi put vidio da postoje ponovo logore u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Des images qui ont choqué le monde entier, prisonniers des Serbes, des milliers d'hommes, musulmans et croates, qui ont réveillé les sinistres souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Mais autour de la mairie de Prijedor, c'est la mémoire des victimes serbes qui est glorifiée. Sa spomenicima je veoma teško bilo gdje praviti ono pomirenje, ako nisu zajednički, ako nisu stvar kompromisa. Ovdje, znači, ovo je bukvalno obilježavanje teritorija. Znači, nema konsenzusa, a bez toga nema. Znači, bez takvih spomenika mi ne možemo govoriti da imamo spomenike u funkciji mira, imamo spomenike u funkciji rata. Et sa grande déception, c'est qu'au bord de cette rivière, il n'arrive même pas à faire ériger un monument à la mémoire des enfants morts, musulmans, bosniaques, serbes, orthodoxes, et autres peuples et religions.
Mi, nažalost, radimo u puno gorem ambijentu nego što se to radi, recimo, u Njemačkoj kada je bila denacifikacija, kada je Njemačka nacistička bila pobjeđena, pa da su ljudi morali prihvatiti neke stvari ovdje. Svaka lokalna zajednica ima svoga pobjednika i svaka ta lokalna zajednica pokušava da diktira te uslove kada su u pitanju memorijali. Banja Luka je la capitale de cette Republika Srpska, qui menace sans cesse de faire tomber le fragile équilibre institutionnel de la Bosnie en revendiquant l'indépendance et pourquoi pas un rattachement à la Serbie. Mais ici, il y a aussi des colombes qui tentent de sauver la paix, comme Tanja Topic, à la tête du bureau local de l'ONG allemande Friedrich Ebert, qui œuvre pour la démocratisation. Elle nous donne rendez-vous devant la principale mosquée, détruite en 1993, reconstruite depuis. Ferhadija je simbol Banja Luke i ona je za mene zaista jedna istovremeno priča koja sadrži jako puno ponosa, ali isto tako i nosi onu tužnu stranu prethodnih decenija, da tako kažem. Mais Tanja est amère, car plus les années passent sans coup de feu, plus les différentes communautés sont séparées. Većina gradova u Bosni i Hercegovini danas je dominantno etnički čista, geto u kojem odgajate mlade ljude kroz obrazovni sistem, kroz kulturu, kroz medije, tražite legitimaciju jedne takve etnonacionalne politike, onda se nalazimo u jednom paradoksu gdje je vrlo teško, zapravo ispadate naivni ako vjerujete i kažete da je ovdje mir izgrađen i da će živjeti trajno. Il n'y a pas de frontière officielle entre les deux entités qui composent la Bosnie, la Republika Srpska et la Fédération croato-musulmane. Mais elle s'impose à l'esprit de tous depuis la fin de la guerre en 1995. Šta da se kaže kada mališan, rođen pošto su mračne oluje već propujale, posle 1941. Posle 1945. Zagrli Tita i da mu stidljivi poljubac. Sarajevo, la capitale de l'État de Bosnie-Herzégovine, ainsi que de la Fédération croato-musulmane, est le seul endroit où Tito est célébré comme un héros. Il incarne l'unité de la Yougoslavie, par-delà les différences ethniques et religieuses. La capitale revendique son statut de ville ouverte, même si elle est devenue en majorité musulmane et si dans de plus en plus de restaurants, on ne sert plus d'alcool. Dans toute l'ex-Yougoslavie, le plus grand défi est aujourd'hui l'exode vers l'Europe. La Bosnie n'aurait plus que 3 millions d'habitants aujourd'hui contre 4 500 000 avant la guerre et la chute s'accélère. Plutôt que de partir vivre à l'étranger, Leila a fait le choix de rester pour travailler sur la question de la mémoire. Elle vient d'avoir une petite fille, mais déjà, elle s'interroge. In which school our child will go, what she will learn about history, what she will learn, and who will be her friends in school. Is it possible to taught her multi different perspectives outside of this official school narrative, outside of this omnipresent divisions in which we live, and to be quite open and to be quite honest with her and with everything that this country is and what this country could actually be in the future. La promenade de ce dimanche passe devant l'un des rares monuments de Bosnie qui rend hommage à toutes les victimes. Mais pour Leila, c'est insuffisant, d'autant que l'occasion de faire des gestes forts de réconciliation semble passer. I would say it's not early. I would even say maybe it's a bit late, because now we have 20 over 25 generations of adult persons who were born after the war and who were raised in these narratives of the hatreds, divisions, and different interpretation of the war, and being unable to see the clear line and to question, to set question, to ask question, and to put many different questions in front of them, because we told them just to receive the past, not to question it. Que faire alors pour en sortir? Certains se battent encore, comme Dino Mustafić, directeur du Théâtre National, fondateur d'un parti de gauche et multiethnique, membre de la coalition au pouvoir dans la Fédération. La rencontre a lieu sur le pont où en 1914, Gavrilo Princip a assassiné l'archiduc Ferdinand, déclenchant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui,
il est plus que jamais convaincu que les citoyens veulent dépasser ces divisions car les peuples yougoslaves se comprennent très bien. Mi još uvijek trebamo, tražimo neke hrabre iskorake, neke nove ljude koji se neće voditi populizmom, koji se neće voditi buđenjem onih najnegativnijih kolektivnih emocija, nego koji će upravo tražiti tačke približavanja, koji će tražiti tačke koje nas povezuju u našoj kulturnoj istoriji, u jednoj činjenici da govorimo jezikom u kojem se jako dobro razumijemo i u kojem postoje veze individualne i kolektivne koje su nas mnogo puta u istoriji spojile, jer kada smo bili zajedno, kad smo bili na pravoj strani istorije, tada smo mogli sve. Kada smo bili jedni protiv drugi, tada smo bili crna rupa demokratije. Hiljade i hiljade toplih pozdrava, hiljade i hiljade najlepših želja, sve se to ovde slilo. Vedar i nasmejan dočekao je drug Tito nosioce štafeta. A oni su, uzbuđeni i srećni, prilazili, predavali štafetnu palicu s poveljom i čestitali rođendan u ime pripadnika armije, naroda Crne Gore, Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Makedonije, u ime naših graničara. Mais ce voyage à la recherche de la réconciliation ne pouvait pas se terminer sans passer par Srebrenica. La mosquée et l'église orthodoxe se dressent côte à côte. La ville de l'est de la Bosnie ne compte plus que 4000 habitants contre 37000 avant-guerre. Srebrenica était à majorité musulmane, elle est aujourd'hui sur le territoire de la Republika Srpska. Mais comment revivre ici ensemble alors qu'en juillet 1995, l'armée serbe, commandée par Ratko Mladic, y a massacré plus de 8000 bosniaques musulmans. C'est au mémorial de Potočari, protégé par la police, que nous retrouvons Radomir Diklic, venu de Belgrade. Le journaliste et ancien ambassadeur de Serbie n'était jamais venu ici. C'est difficile de parler de tout cela. On est ici, c'est un des lieux dans, disons, toute ex-Yougoslavie qui nous mène à l'histoire des crimes, des atrocités, des guerres de tous les côtés, je dirais. J'espère que bientôt il y aurait la génération de politiciens qui pourraient faire un geste comme faisait le président Mitterrand et le chancelier allemand Kohl en 1984. Et quelque chose comme ça, ça serait vraiment nécessaire. Ça peut se faire dans plusieurs endroits, entre les Serbes et les Croates, les Bosniaques, enfin n'importe, tout le monde qui vivait, les Albanais et les Serbes un jour. On n'est pas demain que ça serait fait, mais sans les gestes comme ça. Mais derrière ces gestes, c'est d'abord la volonté politique de le faire. Parce que s'il n'y a pas ça, c'est de n'importe quoi, c'est le théâtre. Et on a besoin d'une forte volonté politique, éducation des jeunes générations, et dans ce cas-là, les lieux comme Srebrenica et d'autres endroits, il y en a partout, seront les lieux de réconciliation. Entre 1991 et 1999, de la Slovénie jusqu'au Kosovo, au total, 140 000 personnes sont mortes. C'est avec leurs souvenirs que les peuples yougoslaves doivent se retrouver, comme l'ont fait les Allemands et les Français, avec leurs fantômes.